On dit souvent qu'une maison est le reflet de ceux qui l'habitent. Jusqu'ici, mes chez-moi ont toujours été le chez quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça reflète de moi? Nomade, j'ai vécu partout et nulle part à la fois, dans le luxe et l'insalubre, dans la pierre, le bois, le métal et même le tissu. Ma soif du monde n'a jamais trouvé son compte entre quatre murs immobiles, jusqu'à aujourd'hui peut-être. Partir, c'est ma routine. Rester, s'enraciner, voilà la nouveauté. Il y a peu, je me suis offert une vie sédentaire, juste pour essayer. Je dois bien avouer que ça me plaît, tellement que j'ai fini par prendre le risque de désirer un habitat juste pour moi. Une petite cabane en pleine nature, démontable bien sûr, faut pas exagérer. Je suis alors parti en quête de ce temple de bien-être, simple, léger, qui puisse prendre soin de mon corps pendant que mon esprit vagabonde dans les mondes incréés. Je l'ai appelé, je l'ai cherché, et j'ai fini par trouver une maison qui me ressemble. Seulement, elle se trouvait dans mon imaginaire. Et pour avoir la chance d'habiter un jour dedans, il ne tenait qu'à moi de la créer. Aujourd'hui, c'est fait. Et c'est avec joie que pour la première fois de ma vie, je peux dire « Bienvenue chez moi ».Eh bien, salut à toi. Moi, c'est Sylvain. Enfin, je crois. Tu peux m'appeler Biquette, ça me va aussi. Là, tu viens de voir l'introduction, le chapitre zéro d'un petit film documentaire que j'ai commencé à réaliser cet été au sujet de ma dernière aventure en cours, qui est la création, la conception d'un habitat d'un genre
pas trop comme les autres. Il en existe déjà des milliers de formes de maisons. Pourquoi en inventer une nouvelle? C'est quoi le but, quoi? Ben, je dirais que pour le plaisir, déjà, c'est une réponse suffisante, il n'y a pas besoin de justifier plus. Le plaisir de créer, c'est vraiment quelque chose de puissant. Mais je sais pas, une sensation, une intuition en moi me dit que tout n'a pas encore été exploré. En tout cas, j'ai pas rencontré la maison qui me plaît. Les camions aménagés, les tiny houses, franchement, c'est le top, c'est vraiment idéal. Mais je sais pas, ça me correspondait pas parce que j'ai envie de planter mes racines. Et je sais pas, quand il y a des roues, je sais que je vais avoir trop la bougeotte. Du coup, c'était trop mobile. Sinon, j'ai recherché les habitats légers. Il y en a beaucoup qui sont faits en terre paille. Alors ça, c'est vraiment... c'est ce qui a de plus de sens, j'ai l'impression. Tu prends la terre là où elle est, la paille juste à côté, et ça te fait une maison. Et tu coupes un ou deux arbres, et voilà. Mais le problème avec ces maisons, c'est qu'elles ne bougent pas. Et moi, ça ne me convient pas. Pour mon sentiment de sécurité intérieure, j'ai besoin de pouvoir me dire que ma maison peut se déplacer avec moi. Et concernant le scénario classique de la grande maison lourde, immobile et froide de Monsieur Fichier, j'ai pas envie de participer à ça, quoi. J'ai pas envie de construire un déchet qui sera à la charge des générations futures. En tout cas, j'ai décidé de soumettre à l'impitoyable épreuve de la matière cette intuition profonde qu'en termes d'habitat, c'est facile de faire mieux. Plus simple, plus harmonieux, plus léger, plus logique, ouais. Plus économe, en énergie, en argent, en temps de vie, tout, quoi. Voilà, c'est l'aventure que je te propose de suivre dans un film dont tu viens de voir l'introduction tout à l'heure et qui arrivera épisode par épisode au fil des mois, quoi. Et peut-être que mis bout à bout un jour, ça fera un film complet. En tout cas, c'est l'exercice que je me propose. Eh bien voilà, avant de raccrocher, je te propose d'aller rendre une petite visite à ce premier prototype. Il se trouve juste en bas, là, le long de ce chemin. Si ça te dit, eh ben, on y va. Thank you.